mélange de gymnastique et de danse. C'est du sport qui se pratique avec un engin. Ruban, corde, ballon, massue ou cerceau. Et c'est depuis une année un sport olympique. Au Japon, les hommes commencent à le pratiquer, mais dans les autres pays, non, je ne sais pas pourquoi. C'est... Depuis le départ, ça a été exclusivement féminin. Je pense que ça pourrait apporter beaucoup de choses au sport. On pourrait faire des duos, comme en danse ou en patinage. Thank you.
Thank you.
Mais la soviétique Marina Lobatch est bien décidée à prouver que Fanova n'est pas invincible. Lobatch, numéro 1 dans son pays, avait fini à la 4e place des championnats du monde, mais avait partagé la médaille d'or avec Fanova au cerceau. Remarquable performance de la jeune soviétique qui bat de 5 centièmes Bianca Fanova.